maintenant. 95.2. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Voilà, on a parlé de Henri Caillavé, sénateur, écrivain, philosophe, législateur, surtout côté législateur de Henri Caillavé, c'était énorme en France. Beaucoup de lois a été signé par sénateur Henri Caillavé, comme je vous ai dit, y compris IVG. Euthanasie, voilà, beaucoup d'autres choses, vous voyez. Pour ça, on peut dire Henri Caillavé avait un rôle assez important dans l'installation des lois concernant l'euthanasie dans d'autres pays que la France, vous voyez. Alors, je vous ai dit que lui-même, il nous a confié à l'époque qu'il a tué quelqu'un assez important. Il a donné fin à la vie d'un très très cher pour lui. Ce que nous pouvons constater actuellement dans le monde entier, mais on ne parle pas dans certains pays, même si c'est interdit, cette affaire a exacé. Moi-même, j'étais témoin, pas témoin, je savais, j'étais au courant. Je savais par mes enquêtes, même on peut dire, que plusieurs personnalités assez importantes de mes amis en Europe ont été euthanasiées par leur famille. Par leur famille, hein. C'est interdit en France, mais ils le font. Même il y a dans certains établissements qui le font, vous le savez déjà, il y a des procès, tatati, tatata, on ne va pas y entrer. Mais Henri Caillavé, il m'a confié à l'époque, comme quoi. Lui et son frère, ils ont donné fin à la vie de leur père. Ça, c'est très intéressant. Je vous invite à l'écouter une partie de notre entretien qui a été effectué dans le studio de la radio Ici Maintenant de l'époque. Voilà. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Ah, on n'a pas le son. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas pourquoi on n'a pas le son ici. Et ça, c'est quoi? On va abandonner certaines choses que nous avons ici pour voir pour quelles raisons on n'a pas le son ici. Henri Caillavé. Non, on n'a pas. Alors, je crois que
Ouais, y en a un problème, je suis désolé. Je ne peux pas vous diffuser le propos de sénateur Henri Caillavet à ce sujet, vous voyez. Mais il me dit à l'époque, et c'est très ancien, et lui, il était obligé de donner fin à la vie de son père avec son frère. Sénateur Henri Caillavet, on va voir si ici il y en a là. Incroyable. Alors qu'il y a une jeunesse pleine de fougue, pleine d'enthousiasme, et qui ne demande et qui n'aspire que à la liberté, à la connaissance, et à la joie et au bonheur. Et non, enfin, moi qui ai toujours eu un attachement pour l'histoire, quand on sait ce que nous vous devons, ce que vous avez apporté au monde de l'Antiquité, parce que même la Grèce a bénéficié et beaucoup de votre culture, et Rome par la suite, donc indirectement tout l'Occident sans exception, et qu'aujourd'hui on constate que ce qui a été un épanouissement à une époque où précisément même il y avait des satrapies, il y avait des fermetures permanentes, et que vous avez porté la lumière et la liberté, et qu'aujourd'hui on constate cette effroyable mise au tombeau, c'est affreux. C'est comme ça. Mais il faut. Alors, dans une heure d'émission, je dois trouver le morceau qu'il parle Très de ça, longtemps parce que encore. là, ici, il est en train de parler de la culture et civilisation une perse et l'impression qu'il a eu dans une culture et civilisation mondiale. Vérité, de fraternité. Et puis, c'est vrai que j'ai pu également faire voter d'autres lois, comme le divorce par consentement mutuel, pour ne pas salir ce qui a été beau, dans la mesure où un couple ne se supporte pas, ce n'est pas la peine de. Voilà, ça y est, on est arrivé, c'est là, c'est ici qu'il parle des lois que lui-même il a apportées. Enfin, de parcourir le siècle. J'ai eu la possibilité de pouvoir m'exprimer et d'avoir le pouvoir politique qui permet de réaliser ce que l'on juge bon et souhaitable pour une société. Oui, j'ai eu le bonheur de faire voter la loi sur la greffe d'organes, qui est devenue d'ailleurs une loi internationale, c'est-à-dire dont le fait de pouvoir donner la vie à ceux et qui en ont encore le souci alors que d'autres vont disparaître. La greffe d'organes est un acte de générosité, de sincérité, de fraternité. Et puis c'est vrai que j'ai pu également faire voter d'autres lois comme le divorce par consentement mutuel pour ne pas salir ce qui a été beau, dans la mesure où un couple ne se supporte pas, ce n'est pas la peine de trahir ce qui a été généreux. Et par ailleurs, j'ai pu faire voter également le texte sur le tribunal de l'informatique, c'est-à-dire la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui permet à chacun d'entre nous de savoir ce que pense l'ordinateur lorsque on la nourrit d'un CV que vous ne connaissez pas. Il faudra avoir l'accès au langage de l'ordinateur et, dans ces conditions, retrouver sa propre liberté, puisqu'on est cerné, vous le savez, par des messages qui sont de plus en plus insupportables. Donc, c'est vrai, j'ai pu faire voter un certain nombre de lois de nature à favoriser la liberté. Excellent, mais on est fier vraiment de l'humanité, est fier de vous avoir. Peut-être pas l'humanité, mais en fait. Parce que vous savez tout ce que. Même ce qui a été resté dans l'histoire, le nom de Madame Simone Veil, l'idée venait de Henri Caillavet, vous voyez. Ah, c'est-à-dire que le premier texte qui a été déposé sur l'avortement, l'interruption de grossesse, c'est un texte que j'ai signé 20 ans avant Madame Veil. Voilà. Mais la chance a voulu que Madame Veil le reprenne pour partie, elle l'a amélioré, ou plutôt, à mon sens, elle l'a quelque peu amoindri, mais à ses côtés, comme son avocat, j'ai pu faire aboutir le texte, qui est un texte qui a été modifié par la suite, qui a donné à la femme la liberté qui lui revient de droit. Et surtout, maintenant, votre dernier combat, c'est l'euthanasie. Ce que dans d'autres pays en Europe, c'est légal. C'est-à-dire, oui, l'euthanasie est aujourd'hui légale en Belgique, elle est légale
également en Hollande. Elle est légale, et elle n'y a plus besoin de discussion au Danemark, et elle est également licite en Suisse, sans parler de trois États américains. Oui, c'est vrai, et le Japon. Oui, c'est vrai qu'il appartient à chacun d'entre nous, face à la mort et à son imaginaire, de prendre une décision de ne pas accepter ou d'accepter d'être dans la déchéance ou d'être une épave. Il appartient à chacun d'entre nous de prendre cette responsabilité. Personnellement, je ne voudrais pas donner à ma famille l'exemple déplorable d'un naufragé. Je pense qu'il appartient à celui qui est libre, qui est lucide, qui est capable de raison, s'il ne souhaite plus continuer à vivre pour précisément éviter la déchéance et ses affres permanentes, oui c'est vrai, qu'il a le droit de mourir dans la dignité. Il faut que cette loi soit votée en France alors que l'opinion la soutient, comme elle a été votée dans ces pays démocratiques que sont la Belgique, que sont la Suisse ou que sont les États américains et la Belgique. Alors, c'est-à-dire vous étiez avant-garde depuis le siècle précédent jusqu'au cœur de vie. C'est-à-dire avec vos idées jeunes, actives, révolutionnaires, on peut dire, constructives. Henri Caillavet était avant-garde et depuis déjà le siècle passé et ce siècle. Écoutez, si je franchis maintenant le siècle, c'est-à-dire que si j'arrive en 2100, j'aurai sans doute entre-temps fait voter quelques lois, même si je ne suis plus parlementaire. Mais je vous dirai en conclusion que je me suis efforcé de rester fidèle à mes rêves de jeunesse et j'ai toujours été et je serai toujours l'avocat de Socrate. Bravo. Bravo, maître. Alors, selon maître Henri Caillavet, l'année 2007, ça se termine comment? Pour la France et pour l'humanité et pour la paix internationale. Moi, je souhaiterais d'abord que la paix puisse revenir au Moyen-Orient et en Orient. Éviter qu'il y ait des pays émergents qui souffrent encore lourdement de la mondialisation de l'économie. Il est nécessaire d'avoir à l'égard des peuples dits inférieurs, détestable langage, de se montrer compréhensif, généreux et faciliter leur accession à la plus grande culture. Et il faut également faire confiance à la science, notamment dans le domaine de la biologie, pour favoriser peut-être la maîtrise de maladies que l'on juge actuellement incurables et qui sont certainement susceptibles d'être aménagés et donc guéris. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il faut être attentif à ce phénomène de la pollution, car si nous n'y prenons garde, bientôt il y aurait plus de 25 000... Ah oui, ça c'est fini, malheureusement. Vous savez, je l'ai interviewé plusieurs fois, plusieurs minutes d'intervention d'Henri Caillavet avec David Abbassi, mais le morceau qu'il parle de son père, je crois qu'il est dans une vidéo de plus d'une heure, si je peux le trouver pour la prochaine fois. Mais voilà, c'était Henri Caillavet qui était plusieurs fois ministre, on peut dire, parce qu'à l'époque, on disait secrétaire d'État. Et secrétaire d'État, plusieurs fois, 5, 6, 7 fois, maire, député, sénateur. Et malheureusement, il nous a quittés le 27 février 2013 avec une... bagages, on peut dire, avec des bagages, avec une valise, plein d'écritures dans l'histoire. Il est autour de plusieurs livres, plusieurs lois, comme vous le savez. Alors, 1914 jusqu'en 2013, 99 ans, 100 ans. Il a vécu 100 ans, Henri Caillavet, et il n'est plus là, mais... nous avons de bons souvenirs, surtout les amis qui l'ont connu,
cette personne qui était vraiment formidable, excellente dans le penser jusqu'au dernier jour de sa vie. Et comme vous avez pu entendre, un législateur, vraiment, et les lois qu'il a inventées, il a pu passer ici en France ou non, mais c'est active dans le monde entier. Voilà, mes chers amis, vous écoutez votre radio sur 95.2 FM, radio ici maintenant. Vous avez la parole. De quoi vous voulez qu'on parle ce soir? Allez, prenez votre combiné et composez le 08 92 23 95 20. On est là pour vous écouter, mes chers amis. Si vous avez même des questions, je suis là à votre disposition. Ben maintenant, vous êtes des philosophes. Hein? De temps en temps, je constate sur notre antenne la qualité des débats que vous emportez. C'est très intéressant, très intelligent. Et voilà, on vous attend ici et maintenant. Composez le 08 92 23 95 20. En attendant, si vous voulez bien, je vais vous donner la parole à Céline Dion. Hein? Qu'est-ce que vous en dites ?